Salut à tutti, l'artiste corrige oggi si inventa un mondo di gym a fondo. Crea case, mobili o oggetti con materie originali. Possono essere visive o leggere e possono via piazza o essere in un scorno. Salute, Paul Franceschi. Salute, Franceschi. Alors, il est grand temps de rétablir une vérité, Paul. Êtes-vous un architecte-designer? Êtes-vous un designer-architecte? Comment vous situez-vous? Alors, c'est vrai que c'est important de faire le point là-dessus. Moi, je suis à la base architecte. C'est le socle de ma profession et les 100% de mon activité. Et en aparté, de temps en temps, pour des clients, à la demande, je fais quelques dessins de meubles que je fais réaliser, essentiellement en Corse. Donc, les deux vont ensemble, ça va de pair. Oui, c'est des métiers qui sont liés. Oui. Qui sont assez complémentaires. Tout à fait. Alors, Paul, racontez-nous un petit peu votre parcours. Comment s'est passé, vous avez fait quelle école? Comment vous êtes-vous fermé? Est-ce que finalement, l'architecture était là depuis très longtemps? Alors, c'est vrai que c'est une vocation. Je sais que dès mes 14 ans, j'ai souhaité faire ce métier. Et ensuite, j'ai fait les études qui ont suivi un bac scientifique. Ensuite, une école sur Marseille d'architecture pendant 6 ans. Et ensuite, des stages de spécialisation en Amérique du Sud, sur Paris. Et puis après, je suis rentré m'installer sur Ajaccio. Donc, une vraie formation d'architecte. Tout à fait. Alors justement, je vais revenir avec vous sur ça. Diplôme passé, ça y est, on est architecte. Et là, il y a un voyage qui va vraiment être révélateur pour vous. Il s'agit du premier objet caché dans mon tiroir et c'est votre credo et vous allez tout nous expliquer, Paul. Tout se résume à un DVD. Ou presque. C'est pas si simple, mais c'est vrai que... Alors, c'est quoi cette DVD long de, tout au long de mes études, j'ai été inspiré par divers architectes et Louis Kahn, qui est l'architecte qui a inspiré ce film, a été quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, notamment lors d'un voyage, parce que tout architecte se doit de voyager. Et j'ai fait un voyage en Californie où j'ai visité le Salk Institute de San Diego. Et c'est un bâtiment qui a une certaine prestance et une certaine dimension qui ont fait que ça m'a vraiment conforté dans le fait que je ne m'étais pas trompé d'études. Et de voir surtout, parce que là, c'était vraiment quelque chose. Est-ce qu'on est ému quand on voyage justement, qu'on est un jeune architecte et qu'on n'a pas encore eu cette ouverture et qu'on arrive devant un tel monument? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez impressionnant parce qu'on ressent... On ressent des choses dans certains lieux qu'on ne peut pas expliquer. Bon, là, c'était dans le cadre d'un bâtiment reconnu mondialement, mais des fois, on arrive dans des places de village ou dans des endroits où on se sent bien ou on se sent mal et on ne sait pas forcément expliquer pourquoi. Et l'architecture, c'est ça, c'est-à-dire de réussir à créer des espaces qui vont permettre aux gens qui vont les vivre de s'y sentir bien. Donc là, c'était vraiment le cas. On a ressenti cette émotion-là. Alors justement, en regardant ce bâtiment, pour ceux qui auront peut-être la curiosité d'aller voir ce Salk Institute, on se rend compte que c'est assez cubique. Et que finalement, ce cube va vous poursuivre. Vous allez créer des choses qui ont un petit peu cet esprit, cette forme en tous les cas. Donc on peut parler vraiment de maître à penser. Oui, un petit peu de référence, d'architecte inspirant. Mais c'est vrai que la création architecturale ou au niveau artistique, c'est un processus et on s'inspire bien évidemment, on mature des choses qu'on a ingurgitées pour après les ressortir en objet ou en création diverse. Alors là, nous étions dans le volet architecte et puis l'objet, le design arrive. Finalement, on peut dire sur une anecdote, ça a été un petit challenge qu'on vous a lancé et c'est mon deuxième objet qui est caché et c'est votre anima. C'est un objet qui finalement vous a un petit peu mis sur la voie du design. C'est assez léger et c'est un... C'est un épouvantail. Un épouvantail. Regardez cette petite merveille. Alors, en quelle matière est-elle? Alors, c'est de l'aluminium qui est plié et découpé sans soudure. Et ensuite, il a été thermolaqué en usine pour une meilleure résistance au niveau de la peinture. Ce n'est pas de la peinture de carrosserie, c'est une peinture qui est réchauffée dans des ateliers. Donc, c'est très résistant et très léger. Ça peut être mis en extérieur. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que je ne me suis pas levé un matin en dessinant tout ça. C'est un client esthète qui cherchait désespérément pour ses vergers un épouvantail dans le commerce, mais
n'en trouvant pas et sachant que je dessinais un petit peu, il m'a dit « Tu as carte blanche, dessine-moi un épouvantail pour mon verger ». Et lorsque je lui ai livré la sculpture, bon, là qui fait 50 cm. Voilà. C'est une petite. Hein. Voilà, c'est un modèle réduit. La taille réelle fait 2,05 m. Quand même. Voilà, donc c'est assez imposant. Et lorsque je lui ai livré, il a dit je ne peux pas mettre ça dans mon jardin. Et elle a fini dans son salon en tant que sculpture. Et les oiseaux ont continué à venir butiner. Et les oiseaux ont continué voilà, de l'embêter. Mais... Alors c'est un objet quand même important parce qu'il y a quand même une reconnaissance. Tout à fait. C'est vrai que j'ai dessiné à peu près une vingtaine d'objets qu'on peut voir sur mon site internet. Pour certains, hein, il n'y en a pas tout dessus, mais on peut en voir quand même la plupart. Et pour deux objets, donc j'ai dessiné une table qui a été reconnue et éditée par un designer italien qui fait du mobilier urbain, donc c'était la première reconnaissance importante. Et le second, c'est cet objet qui est considéré par le site Artspair, qui est un site de vente d'œuvres d'art internationales, comme une sculpture, et elle est vendue au titre d'autres œuvres de sculpteurs reconnus mondialement, comme Banksy ou d'autres grandes de ce nom. C'est ça, ça booste, ça donne envie d'aller plus loin, ça rend fier. C'est motivant, ouais, c'est vrai. C'est très motivant. Alors Paul, on parle de dessin, on parle d'objets réalisés, on parle d'architecture, mais moi je vous propose d'aller faire un saut dans votre bureau et voir comment on procède à la création d'un objet. Allez, on regarde ensemble. Ça fait 10 ans que l'agence existe et que l'agence traite à 99% des projets d'architecture. Et le design est venu il y a 3-4 ans de ça, où pour le besoin d'un client, on s'y est intéressé d'un peu plus près. Alors ici, vous êtes dans mon agence d'architecture, où en annexe du métier que l'on pratique sur la construction de maisons et d'immeubles, on fait accessoirement du design. Aujourd'hui, pour justement étoffer un peu notre catalogue, on a créé une vingtaine d'objets qui vont de l'horloge à la table en passant par les chaises, tout ce qui est lié au mobilier de la maison. Le choix des matériaux, il y en a pour l'instant deux qui ressortent. Il y a une gamme en bois, donc la table sur laquelle je suis, et une gamme en aluminium qui est beaucoup plus épurée et sans soudure. Alors le dernier en date, c'est une chaise. Qui est une chaise un peu majestueuse sur laquelle on voulait sortir des carcans habituels, et on a travaillé sur une chaise qui a une forme de raimanda, et on a déjà modélisé tout le processus en 3D pour pouvoir le proposer à de différentes structures pour la réalisation. C'est le processus créatif, c'est-à-dire qu'après, c'est difficile à expliquer, on a des différentes inspirations, on est dans un pays et dans une île proche de la mer, bien qu'il n'y ait pas de raimanda en Méditerranée, mais c'est des choses qui passionnent. Moi, je suis passionné de plongée sous-marine, et du coup, peut-être que c'est ça qui m'a inspiré ce projet. Et je voulais essentiellement aussi faire une chaise sur laquelle on puisse aussi bien s'asseoir que s'allonger pour lire un livre ou autre. Donc, c'était de lier tous ces éléments-là. Pour réaliser un tel objet, avant de réaliser la chaise à l'échelle 1 en prototype, qui est assez onéreuse, on s'affranchit de tout ça par la réalisation de maquettes 3D sur des logiciels spécialisés, de CAO, ce qu'on appelle, qui permettent de voir et d'éventuellement enlever tous les petits défauts qu'il peut y avoir sur le produit. C'est un logiciel qui est proche de la réalité ou pas ? C'est un logiciel qui est très proche de la réalité parce que entre le premier prototype et les premières images que nous avions réalisées, on a le rendu quasiment exact de ce qui était prévu à l'origine sur l'ordinateur. C'est quand même pas rien, la création d'un objet. Et moi, j'aimerais montrer aux téléspectateurs, parce que cette idée, Paul, elle vous est vraiment venue une nuit. On part sur une feuille et des agrafes, et c'est quand même bluffant quand on voit la réalisation du prototype. Tout à fait, oui. C'est vrai que les idées viennent un petit peu comme ça, de façon aléatoire. On n'attend pas que ça vienne tout de suite, mais des fois l'inspiration vient et on fait avec les moyens du bord. Là, pour le coup, c'était le cas. Il était un peu plus tard que minuit, et j'ai pris une paire de ciseaux, une feuille et des agrafes, et j'ai voulu matérialiser rapidement l'idée, parce qu'après on l'oublie, la nuit passe, et bon. Et du coup, c'est parti de ce petit morceau de papier. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur les ombres, parce que l'ombre portée de cette chaise. Tout est étudié jusqu'à l'ombre, quand même. C'est important, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est la forme animale, les formes assez féminines et organiques ont permis justement l'esthétique de l'assise.
Ensuite, là, c'est vraiment un petit prototype qui a été fait par 3 artisans différents, un ferronnier, une personne qui fait de la résine pour les planches de surf. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui a fait que j'aurais pu réaliser un premier prototype qui a été primé au niveau national par l'Institut du design sur Paris l'année dernière, en 2017. Voilà. Donc, il faut quand même préciser qu'entre la réalisation de ce papier et votre chaise, il s'est écoulé pratiquement un an, c'est ça ? À peu près, oui. C'est une étude vraiment de toute la matière. C'est certain. Et puis bon, c'est fait encore une fois à temps perdu, le week-end. Donc c'est vrai qu'il y a la réflexion sur la matière, il y a la conception sur l'ordinateur aussi, qui est indispensable. C'est une véritable réflexion, en fait. Exactement. Alors Paul, il est temps pour moi de faire battre votre cœur avec notre petite séquence où nous trouve à Tigour. Alors je me suis rapprochée de Christiane, mon associé pour le coup, qui est votre maman, et qui m'a dit, mais vous savez, Paul a toujours construit. Alors, on a été fouillé dans la cave, on a retrouvé des Legos, d'accord, bien évidemment, et nous avons retrouvé ces 2 petits bonhommes créés avec du fil de fer. On n'est jamais trahi que par les siens, effectivement. Donc, alors, regardez ça. Paul était un enfant. Ça remonte à loin, c'est vrai. Alors, ça a toujours été là, en fait. Oui, quelque part. Ouais. J'ai toujours été passionné par les Legos et par la création, c'est vrai. Il y a un véritable lien à l'enfance. Il m'a dit, mais c'est quand même extraordinaire. C'est vrai, parce que quand même, déjà tout petit, on voit. Mais finalement, c'est peut-être ça, hein. Ça a incubé l'idée. Ça, c'est quelque part, c'est vrai. C'était du fer de bouchon de bouteille de champagne. Voilà. Ah, bon, déjà tout petit. Qui avait les 2 passions qui étaient liées. Paul, quel est le Graal? C'est quoi le Graal pour un designer? Quelque part, le Graal, bon, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance passe par l'édition. Donc, lorsqu'on arrive à être édité, c'est vrai qu'un objet, ça, ce sont des prototypes donc, qui sont assez coûteux à l'unité, mais l'objectif pour tout designer est d'être édité en grande série et de toucher un maximum de personnes. Hein. C'est ça qui est important. Des projets pour cette raie aussi, c'est quoi là, le projet? Alors, grand projet. Le grand projet pour cette chaise, c'est que voilà, comme je vous le disais, elle est partie d'une feuille de papier et de quelques agrafes, et l'objectif, il est de la faire réaliser à l'échelle 1. Alors c'est assez coûteux parce que il faut des matériaux particuliers. Je me sers un petit peu de ce que je connais comme résistance, etc., pour les mettre à profit pour la réaliser. Ça, c'est votre métier d'architecte qui vous permet de connaître la matière. Qui me cadre là-dessus, et je m'efforce de faire réaliser tous ces objets sur l'île, car le bois que vous voyez pour l'horloge, c'est du bois. C'est du panarich pour la plupart. Et la chaise, j'ai trouvé quelqu'un, une société corse, qui va pouvoir me la réaliser à 100% sur l'île. Voilà. Magnifique, voilà. Barro, les Paul, grazie d'averci aperto. E borte di a vostra passione, di vostra telu, ne sabbiamo appena di più non ta su mestiero. Si deu benvenuto e a voi vi dico a presto per un altro Tigore. Thank you.